exclusivité, la grande causerie. Je sortirai un projet l'année prochaine. Je crois vraiment que nous serons bénis au travers de celui-ci.
pour moi, tu t'es donné sur la croix. En cela, je te reconnais comme mon sauveur. Et à partir d'aujourd'hui, je vais t'accepter comme mon Seigneur. Personne. Prends le contrôle de ma vie. Dirige-la comme tu veux. Et aide-moi à vivre pour ton plaisir. Merci. Car aujourd'hui, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et si je meurs aujourd'hui, ou alors si tu revenais dans ta gloire, je sais que je serai avec toi pour l'éternité. Au nom de Jésus, y a-t-il quelqu'un qui va célébrer Jésus? On termine cet inside avec l'artiste qui nous a annoncé une bonne nouvelle, on va venir juste après. Déjà dans l'accueil, il y a eu des échos, alerte à la bombe, est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors on était en train de nous préparer, de préparer la technique, et à un moment donné, on a reçu des appels et des messages comme quoi il y avait une alerte à la bombe. Donc la police a demandé à ce que tout le monde sorte de la salle, ils ont envoyé des maîtres chiens qui ont fouillé la salle, c'était du grand n'importe quoi, on a dû partir pendant 3 heures
la préparation a été paralysée, ce qui a fait en sorte à ce que nous puissions commencer le concert en retard et sans balance. On a fait un concert sans balance. Donc vraiment, le Seigneur a été au milieu de nous et nous a fait grâce. À chaud, ton ressenti sur ce concert, on voit que tu es content, tu es soulagé, c'est bon, enfin. Beaucoup de reconnaissance à Dieu, mais aussi aux choisis, à la team blindée, cette famille-là qui ne cesse pas de me supporter. Et vraiment, je suis juste content qu'on ait pu vivre ça. On l'attendait depuis le jour de l'annonce. 1h30 après, c'était déjà plié. Et vraiment, c'est pour vous que j'ai voulu me donner à 100% pour vous donner le meilleur des spectacles et aussi vous permettre de vivre une grande expérience dans la présence de Dieu. En tant que prophète, est-ce que tu as senti qu'il s'était passé quelque chose de particulier ce soir-là? Absolument, ça ne fait aucun doute. J'ai senti vraiment que l'atmosphère était saturée de la gloire de Dieu. À un moment donné, il y a vraiment, surtout la deuxième partie, enfin, la première partie, on a célébré le Seigneur, il y avait vraiment une atmosphère de joie, de réjouissance. Et deuxième partie, le Seigneur a ouvert son ciel. Il y a quelque chose de significatif qui s'est passé dans l'atmosphère. Et pour ça, on rend vraiment grâce à Dieu. Le Zénith, le 2 mai, la billetterie elle ouvre demain à 19h. Ouais. On s'attend du coup à un nouvel album? Pas de nouvel album, je ne veux pas mentir à mon public, mais un projet. Ok. Un projet, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, je le dis en exclusivité sur la Grande Causerie. Voilà, c'est un média que j'aime et que je porte vraiment à cœur, donc voilà. Exclusivité, la Grande Causerie, je sortirai un projet l'année prochaine. Je crois vraiment que nous serons bénis au travers de celui-ci. Je te remercie. Félicitations. Merci à toi, Mike. Merci beaucoup. Merci à la famille Grande Causerie.